Ici, c'est deux chambres. Une ici et une ici. Okay. Chaque année qu'il y a la pluie ou après la pluie, il y a toujours des maisons qui s'écroulent. Et c'est ces maisons-là, il faut urgemment anticiper pour sauvegarder ces patrimoines-là. Les fondations sont vraiment vulnérables, les maisons. Les toitures sont vulnérables et ça peut à tout moment s'écrouler sur de paisibles citoyens. Chaque maison, elle a une histoire. Donc les gens essaient de préserver cet héritage-là parce que cet héritage-là, c'est lié à beaucoup de protections divines pour la famille, de protections de croyances mystiques, de croyances religieuses. Donc ils gardent plus la maison que la nouvelle maison. Quelqu'un qui n'a rien à faire, si on lui apprend à faire de la maçonnerie, moi je pense que ça crée de l'emploi. Et création d'emploi, ça veut dire que c'est de l'économie locale qui est développée. Et c'est surtout ça qui est important. Parce que quand par rapport à la conservation du patrimoine, les gens trouvent qu'il y a un travail, il y a une économie qui tourne autour de ce patrimoine-là, moi je pense que les gens eux-mêmes vont contribuer significativement à la conservation de ce patrimoine culturel-là.